of course, the attack in Paris, which was also a terrible terrorist attack. My city, the city where I live, is wounded also, standing but wounded. Whole Israel and whole Tel Aviv, by the way, expressed her solidarity with France in a very impressive and great way. So that very soon it appeared to me and to Tila Rudel and to Règle du Jeu that this evening will be placed under the sign of a double sorrow, a double mourning, and a double revolt against both terrorism who struck the two shining cities, Tel Aviv and Paris. I mean both because I believe that there is a link between the two. I know that there is a political debate in this country about that, and I know that saying this could make that some here could find less urgent to deal with the political problems at stake with in Israel, and especially the question of Jewishness of Israel, which means the two-state solution from my point of view. Nevertheless, and even if there is this political debate, I do believe that there is something in common with what happened in Paris and what happens still today or yesterday in Tel Aviv and in Israel. When one reads, as I do for professional reasons, the literature of ISIS, their terrible magazines, the link is obvious. It is obvious in the way of doing, between beheading and stabbing, there might be only the difference of a tool, and in the literature of Daesh, the two are completely associated. In the vision of the world, jihadism, will of purity, viva la muerte, as said the Spanish fascist. The hatred of the cities, by the way, I decided to offer for the caves of the Museum of Tel Aviv a little video, which I made overnight a few days ago for this. A video which I would like to release here about my love of the cities, the danger on cities, and what I call in some parts of this book urbicide, the killing, the hatred of the spirit of the cities. And this is what happens in Tel Aviv, what happened in New York 14 years ago, what happens in Paris. This is a little thing which is for Suzanne Landau or for her successors in a few decades when I will not be there any longer. Maybe it will be somewhere in the caves. Now I come to the purpose of the evening. So the idea is to read in advance some excerpts of a book which will be released in a few months in America, in Random House, and in a few weeks in Paris, at Grasset. The book is entitled The Spirit of Judaism, Le Génie du Judaïsme. I chose with my team of La Règle du Jeu, with the Museum of Tel Aviv, with Tila Rudel. I chose a few, it's a big book, 15 years work of me on that. I chose five excerpts of the book. One is the very beginning of it, one is the proper ending of the book, and in between, three pieces. You will see one about Marcel Proust, another one about the question of believing in God or not, and another one about my special and personal link with this country, which is with Israel. So five excerpts,
which are read now in French, and there will be Hebrew subtitles for those who are less comfortable with my native language. Donc je commence avec les premiers mots du livre. J'avais 30 ans, l'ère des révolutions jetait ses derniers feux. On sentait dans le ciel des grandes capitales un parfum de foudre sèche, mais aussi d'insouciance et de douceur de vivre, et l'on avait la certitude de vivre l'apogée d'un âge qui avait été celui de la mort de Dieu. Cela avait été beau, cela avait été immense. Rarement l'humanité avait paru si radieuse que dans ce siècle de grands soupçons, où l'on avait brûlé toutes les idoles et toutes les religions dans le feu de joie de l'athéisme, ou plutôt non, ce sont les religions qui semblaient la fournaise, les églises, les mangeuses d'hommes et de destinées, et de Giordano Bruno à Nietzsche, puis de la mort de Dieu à celle de l'homme, il y avait eu des libérateurs intrépides qui, les uns brûlés, les autres brûlants, s'étaient exposés à la fournaise et dont nous nous sentions les héritiers. Moment de vive allégresse, triomphe d'une liberté sans pareille, il y avait fallu des morts, des blessures, des actes d'héroïsme sans mesure, mais le feu de Dieu avait été éteint, même les cendres en avaient été dispersées, et nous nous retrouvions seuls, enfin seuls, sur le sol d'un monde d'autant mieux appareillé à nos désirs que nous pensions l'avoir désenchanté et y jouir sans plus craindre les fourches et les tisons des censeurs, du pur plaisir d'être soi. Tout était possible, tout paraissait permis. Je me souviens de ce moment comme d'un long et délicieux dimanche de l'esprit. Un doute toutefois étreignait les moins crédules d'entre nous, et si c'était un leurre, un piège, et si la médaille avait un revers, et si un soupçon, un nouveau soupçon, nous forçait à soupçonner à son tour le soupçon, et si, derrière les feux de joie de la religion réputée asservissante, derrière la fête de la fédération universelle où l'arbre de la vie était censé avoir triomphé des corbeaux de l'ordre moral, il fallait voir, inquiétante, la silhouette d'autres dieux plus anciens que l'on pensait morts, mais qui revenaient au monde. C'est l'époque où j'ai rencontré Emmanuel Lévinas, puis aux États-Unis le philosophe catholique René Girard, puis, peu de temps après, le grand œuvre enfin traduit de Franz Rosenzweig. C'est l'époque où j'ai entrepris de me demander avec eux, après eux, si l'humanité pouvait se passer des dieux et si elle pouvait en destituer un, le plus grand, sans voir revenir les autres, tous ces dieux des paganismes antiques, indo-européens et pire, moderne, politique, dont le dieu un avait pris la place. Ah, ses torts, ses votants, ses Prométhées désenchaînés, ses hydres et ses dragons, ses yeux de la race ou de l'histoire, de la nature dévoratrice ou de la technique sans limite, dont il avait fallu toute la force du monothéisme pour endiguer l'envahissante et sanglante présence, mais que rien là ne retenait plus de revenir. C'est l'époque où surtout un nombre grandissant d'indices ou de textes commença de suggérer qu'il n'était pas exclu que les inquisiteurs judéo-chrétiens d'hier aient pu aussi être avant-hier et puissent donc redevenir demain les inventeurs, les libérateurs, les sauveteurs de cette idée si fragile, si constamment menacée, et que l'on sentait de nouveau assiégée par la marée noire de la bestialité néo-païenne, l'homme, juste l'homme, cet Adam dont des intellectuels juifs de langue française s'échinaient à rappeler, mais qui, alors pour les entendre, qu'il n'est défendable qu'à condition d'être pensé à la fois Adama, né de la terre et de sa poussière, et Bria, créé,
fondée à neuf comme une élévation d'imprévisible et incalculable intelligence. C'est le moment où, saisi par quelque chose de moi que j'ignorais, empoigné par une force soudain familière et à laquelle je n'avais pourtant jamais été exposé dans ma carrière d'être parlant, j'ai écrit le testament de Dieu. J'ai dit ailleurs comment et pourquoi ma vie intellectuelle en a été bouleversée. J'ai confié que sans cette découverte émerveillée de la Torah puis du Talmud, j'aurais peut-être cessé d'écrire. Ce que je n'ai pas assez dit, c'est le choc que j'ai ressenti quand j'ai compris que j'avais devant moi un livre que ni mes mains ni mes yeux n'avaient jamais approché, mais où mon nom, le plus intime de l'intime, trouvait non le hasard d'une origine ou d'un métier comme ces Smiths qui se rêvent forgerons ou ces Muller qui se figurent meuniers, mais la nécessité d'une place qui se déduisait elle-même d'une articulation bien enchaînée, d'un sens divisé en versets, autres noms propres, gestes à accomplir, raisonnements à tenter ou réfuter, un livre de vie où une place m'était faite depuis mon nom. Et puis, ce que je n'ai pas assez dit non plus, c'est le sentiment d'indicible gloire qui m'a traversé, tel un rayon de lumière à l'intérieur d'une coque opaque, quand j'ai compris qu'il y avait là, dans ces pages, non seulement tout l'appareillage mental nécessaire à qui souhaitait refermer la parenthèse de l'athéisme philosophique et politique sans céder pour autant au sombre prestige du retour de la magie, de l'occultisme et du religieux, mais aussi la résolution de la plupart des apories où s'égarait ma jeunesse, la réponse à tant de questions que mon travail théorique avait laissées en suspens, et un viatique pour l'aventure politique et humaine engagée au Bangladesh et que je sentais s'emballer. Cette gloire, je la disais en français. Je disais la gloire des Juifs, sans provocation, sans vanité, en me pénétrant juste de ce beau mot, l'un des plus beaux de la langue française, ce mot de Bossuet, et de Racine pour les jours de grâce, et de Corneille pour les jours de force, ce mot de Bach et de Vivaldi que j'écoutais encore dans ces années, ce mot de Chateaubriand que je ne me suis jamais lassé de lire et de relire. Je répétais la gloire des Juifs en jouissant bien de ce mot rouge ou rouge-orangé que j'aimais sentir commencer par l'attaque gutturale de la plus dure de nos consonnes, puis s'alléger et illuminer de ce L dansant d'innombrables souvenirs poétiques, puis flamboyer à travers ce roi où le français se pardonne d'être presque inaccentuel, et puis le re final râpeux comme pour borner tout de même cette effusion de lumière. Mais je commençais, sinon de la dire, du moins de la penser en langue juive, maladroitement, péniblement, mais en y mettant toutes les ressources de mon âme et de mes premières lectures de Rashi, de Maïmonide, bientôt de Rabbi Haïm de Volozine, Franz Rosenzweig, Nachman de Breslav, tant d'autres. Le Hod de la splendeur juive, le Kale Karnei Hod, littéralement les rayons de lumière et de gloire qui inondent le visage de Moïse à sa descente du Sinaï, et le Kavod qui vient de Kaved et qui dit aussi la gloire, poids et prix d'une vie juive point tout à fait inaccomplie. Et le Mehail El Hail à la lettre de force en force qui pousse et accompagne la beauté, la brillance, la gloire encore qui émane d'un destin, et le bleu du ciel
et des rois d'Israël plus pâles, couleur d'air tremblé, et le blanc imperceptible de leur couronne et l'or pâle des séraphins, ou plus pur, invisible, des chérubins sur le couvercle de l'arche sainte. La gloire des Juifs, comme les rayons que l'on voit se mêler au jet de la pluie sur le sol, ou comme des échasses de soleil sur une terre embuée, ou comme la traînée d'étincelles qu'ont laissé sur leur passage les maîtres dont je me suis un peu imprégné. Cette gloire, j'ai su qu'elle ne m'abandonnerait plus, j'ai compris qu'il y avait là une source de connaissance qui m'accompagnerait jusqu'à la fin de mes jours. De fait, cela n'a pas cessé. Il y a eu la fidélité à l'œuvre de Lévinas, puis la fondation dans son sillage d'un institut d'études à Jérusalem. Il y a eu l'interlocution renouée avec un jeune maître qui s'appelait Béni Lévi. Puis, en compagnie de quelques savants qui guidèrent mes premiers vrais pas dans la jungle du texte, l'effort d'étudier autant que je le pouvais, mais pas assez, jamais assez, toujours avec cette langue qui me faisait défaut et qui me fait encore défaut aujourd'hui, il n'empêche. Le Talmud était à moi, la Bible était à moi, jalouse, exigeante, insatiable, comme elle l'est à tout homme, que je m'intéresse à Sartre ou à l'art, à l'Iliade d'un héros de roman, que j'imaginais le diable en tête ou à son Odyssée, à la décapitation d'un journaliste à Karachi, à l'Amérique, à Baudelaire, à la France, à l'Europe, que j'engage et poursuive du Bangladesh à l'Afghanistan, des déserts de Libye aux montagnes kurdes, ce dialogue avec l'islam qui aura été l'un des soucis les plus constants de mon existence, ou que j'aille en réponse à Franz Fanon à la rencontre de ces guerres qui ne sont oubliées que par ceux qui ont perdu la notion de ce que fut la lecture messianique du temps, ce fil juif ne m'a plus jamais quitté, et la vérité est que presque rien de ce que j'ai fait et dit pendant ces décennies ne m'apparaît complètement intelligible si je fais exception de cette œuvre juive que je poursuivais en parallèle, quoique pas nécessairement en secret, puisque l'on en trouve les jalons dans les annales, tantôt d'une université israélienne, tantôt d'une maison d'études américaine, tantôt de l'Institut d'études lévinassienne, première époque, autant de points de pensée dont on retrouvera la trace peut-être au fil de ce livre. Car est-ce le sentiment, comme m'y exhortait Béni Lévi dans la dernière conversation dont je me souvienne, d'avoir un peu avancé? Est-ce le vacillement de cette exception juive que je vois partout chanceler, et pas seulement, hélas, chez les antisémites? Est-ce le retour de l'antisémitisme, justement l'aggravation du malentendu avec ses frères en Adam que sont les musulmans? Est-ce la crainte devant les progrès du nihilisme et la perspective de nouvelles destructions? Ou est-ce le sentiment d'être entré dans un de ces âges sombres où il est urgent de séparer ce qui doit l'être et de réconcilier ce qui peut l'être? Toujours est-il que j'ai voulu revenir sur cela. J'ai décidé de provoquer cette nouvelle rencontre entre mes deux langues, celle de ma mère et de mon père, la française, et l'autre, la juive, qui était aussi la leur et qu'ils parlaient encore moins que moi. J'ai décidé de donner cette suite, 40 ans après, au testament de Dieu. On trouvera dans ces pages des réflexions sur la fureur criminelle qui se réveille, sur ses formes nouvelles et sur le peu de crainte qu'elle m'inspire. D'autres sur l'état d'Israël, sur les raisons qu'il y a de le défendre et sur les raisons qui font que, parvenu à l'âge d'une vie d'homme,
Il est une épreuve de vérité pour les juifs et pour les non-juifs. D'autres où j'essaierai de dénouer. Pourquoi, moi qui suis juif, ai entré ma tête et une large partie de mon corps, pas une seule fois, mais de nombreuses fois, dans certaines des contrées où l'être juif est le plus férocement menacé et où l'hostilité à son nom est comme une deuxième religion. Mais l'essentiel de ce livre, je le consacrerai à défendre une certaine idée de l'homme et de la loi, du temps vivant et de l'espace, de la sainteté, de la voie, de la lumière au bout de l'histoire, de l'universel et de l'exception, de l'intelligence et de la mémoire, du souci de l'autre et de son possible sommeil, de la joie, cette idée où s'incarne ce que j'appelle, en hommage à l'un des très rares grands écrivains français à avoir entendu un peu de son mystère, le génie du judaïsme. Deuxième extrait.